Bonsoir à tous, ici Tolki pour la daily la plus fail de tous les temps que j'aurais faite. Et donc une daily qui va être un match hyper court parce qu'il est 22h43, qu'il faut que j'aille chercher la lessive en bas. Et donc que je fais ça pour être sûr que le stream marche bien, qu'il n'y a pas de soucis, plutôt que pour faire une vraie daily. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui sont restés jusque là. Et donc vous voyez pas ma tête ce soir, hein. Là j'ai eu trop d'embrouille, j'ai dû tout recommencer à zéro. Vous voyez juste mon écran, Tolki Daily et les intros, et on arrête là. Pas d'incruste, rien, pas ce soir. Je vais parler un petit peu avant, parce que bah tant qu'à faire quand même, faut un peu que j'habille. Mais, ouais, puis non, même pas, allez, on s'agame, 6 minutes, c'est parti, ça va aller super vite. C'est un match donc entre Cass de la team Empire et Seize de la team Mixture Makers. Et je vais même pas lire l'IRC là, je vais juste me surconcentrer sur le match parce que ça promet du grand match de 6 minutes, je le rappelle. Après, donc je répondrai à vos questions, vous pouvez vous timer là vers 22h52, je répondrai à vos questions. Posez-les à Totalkey sur le chat. Donc, c'est ce qu'il dit qu'il fait des motherfucking ship. Parce que il fait des motherfucking ship. Il a fait des motherfucking ship dans sa game précédente. Seize, donc, un grand monsieur du mothership. Pendant que Cass pendant que Cass dit qu'il ne pourra jamais gagner contre ce genre de choses. Et que Seize dit qu'il va faire mothership NDT pour avoir le double cloak. Et vous savez, pour détecter le double cloak, c'est très connu en fait. Il faut deux Raven. En tant que terrain pour pouvoir détecter un DT cloqué dans le champ d'un mothership, hein, c'est un truc très connu des pro gamers Protoss. Bref, en attendant, on voit que les deux ne font rien de spécial pour l'instant, hein, c'est nickel, et bah tant mieux, j'ai rien à commenter, mis à part la map Delta Quadrant. Alors, juste avant, une seconde, pour ceux qui regardent que les VOD, hein. Faut savoir, hier soir, j'ai peut-être été un peu très caustique dans mon stream, je m'en excuse pas avance, bon, je m'en excuse tout court, parce que je vais pas recommencer, j'ai été plus méchant que je n'aurais dû l'être, c'était vraiment ma faute. J'étais un peu sur les nerfs, j'avais bu, je crois, 12 cafés ce jour-là. Donc, voilà, je vous prie de m'excuser, je vous promets, ça recommencera pas maintenant. Je vais être gentil avec tout le monde et je vais faire des sourires et des bisous à tous les gens qui m'écoutent. C'est ma promesse pour tous ceux qui me regardent. On voit que Cass a donc pris son gaz après Sarax, son gaz se finit un peu avant Sarax. C'est le timing standard. Je connais pas les timings en population et pour tout vous dire, j'en ai pas grand chose à faire parce que c'est, je pense, pas ça qui importe le plus quand on joue. C'est savoir qu'est-ce qu'on fait après quoi et quand est-ce qu'on doit faire quoi. C'est la même idée qu'avec les foods, hein, avec les supplies, sauf que on a une idée générale. Et là, on voit que Seize, par exemple, a pris son deuxième gaz un peu avant que sa gate soit finie. Et ça, je sais que c'est pas standard. Donc Seize qui est très vite parti sur deux gaz et qui prend son cybernetic core quand son deuxième gaz finit. Très très intéressant, build très très intéressant de la part de Seize. Donc ça devrait pouvoir passer pendant que son adversaire Cass pose un tech lab sur cette baraque. Et spoiler, j'ai toujours pas compris après avoir rematé la game 3 fois à cause des différents soucis de stream l'utilité de ce tech lab. Hein. Je vous spoil un peu, mais c'est un tech lab complètement impromptu. On voit que Cass joue safe et fait un bunker pendant que moi je bois de l'eau. Ah. Si, tout de même. Rappelons-le que Cass fait un Reaper, il va faire un Reaper avec ce tech lab, Reaper qui va lui permettre de scouter. Ne l'oublions pas, le Reaper, même si ça a été nerfé jusqu'à la tombe, ça reste une très bonne unité early game pour avoir une bonne idée de ce que fait votre adversaire. C'est donc quelque chose d'intéressant de la part du joueur terrain, cependant après il n'utilisera pas ce tech lab même avec ses autres bâtiments. Et ce sera un petit peu dommage. Son adversaire, Seize, est en train d'ouvrir 3 gates. Donc 3 gates, c'est un bon chiffre. C'est un chiffre qui est pas trop all-in. C'est un chiffre qui est pas trop sale. Ça vous permet de faire autre chose que du floor gate, en fait. Vous pouvez faire 3 gates robots. Vous pouvez faire 3 gates expand. Vous pouvez faire 3 gates robots expand en faisant juste un observer de leur robot. C'est vraiment un truc classique, safe. Et tout se fait bien. Donc. On voit que Seize est quelqu'un de gentil, qui fait bien son taf, qui tente pas d'arnaquer notre cher adversaire Cass, qui lui ou directement 1-1-1 en faisant un tech lab sur son usine. J'ai aussi promis d'arrêter d'utiliser des mots anglais, qui fait donc un tech lab sur son usine, alors qu'il en a déjà un, sur sa baraque qui sert à rien. Donc carton jaune à Cass sur cette petite chose là, faire un tech lab alors qu'il sert même pas du premier, c'est quand même discutable. Donc Cass est en train à pomper du marine comme on pompe du STV et son adversaire Seize est en train de préparer un push
push donc sur 3 gates, push qui va visiblement être très très bien timé. Son pylône va se finir quand le cooldown va être remis à zéro. Là, très très beau timing de la part de Saze, je sais pas comment il s'appelle, de toute façon on va l'appeler Saze. Très très beau timing, il va pouvoir rewarper 3 unités et mettre une grosse pression avec ses 7 stalkers, 2 zilotes et une sentry contre eux. Alors, une micro pause, je promets que ça va pas être long, je vais pas vous embêter longtemps. Cass avait scouté tout ça, son Reaper lui a donné pas mal d'informations et j'ai pas réussi à le suivre tellement il est tard, mais son Reaper a forcément été utile vu qu'il est mort. Et donc il a fait des bunkers en réaction pour se défendre contre ces 3 gates. Cependant, cette pression 3 gates, cette pression donc, qui laisse beaucoup d'argent quand même, beaucoup de gaz et de minerais à Saze, va faire de très très gros dégâts. Alors Guardian Shield carrément craqué comme sort, n'oubliez jamais, contre les marines, ça réduit de 40% les DPS des marines contre les unités Protoss. 40%, je sais pas si vous rendez compte, pour appuyer sur un bouton. Donc n'oubliez jamais ce sort, quand il y a beaucoup de marines en face, ça peut vous sauver la vie. Et Cass est en train de faire des Banshee Tank avec toujours un Teclab inutilisé sur sa baraque, hein, carton jaune comme je l'ai dit, à Monsieur Cass. Cass donc est obligé de ramener plein de STV pour se défendre contre ce push de Saze. Saze donc a fait un très très beau push, très très beau timing, avec 3 gates, c'est important à faire remarquer, avec 3 gates, vous voyez, vous pouvez garder votre argent très bas si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé non plus de tout dépenser dedans, et à n'importe quel moment, vous retrouvez très vite avec de nouveau 400 de minerais. Et ces 400 de minerais peuvent vous permettre d'expandre à tout moment. 3 gates, c'est vraiment un bon chiffre. Et donc, Saze qui a ramené là, qui est en train de prendre un tank en sandwich. Et Saze qui va sans aucun doute gagner ce match. Cass, ouais, bon, Cass là, il est en train de tomber en ruine. Il est en train de mourir, malheureusement. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que Saze est en train de warper de plus en plus d'unités. Hein. Si son push n'avait pas été aussi efficace, il n'aurait pas eu à rewarper autant de stalkers. Mais vu que le push a quasiment tué son adversaire, bah, il a continué à produire jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, il pourrait même expandre malgré sa production quasiment ininterrompue de stalker. Et ça va être le GG dans 17 secondes de la part de Cass. Cass qui a pas génialement joué cette partie. Il avait deux bunkers. Les bunkers, je pense, n'étaient pas très très bien placés. Alors attention, un Mordor dans un bunker, mais les stalkers passent en courant. Et GG wellplay de la part de Empire Cass. Je vais répondre à vos questions. Hein. Posez-les à Totalki. Totalki, bon, je vais lire celles qui sont posées à mon autre compte, mais sinon il faut les poser à Totalki, ne l'oubliez jamais quand il est là. Et je ne le mettrai jamais assez en exergue, mais très très beau timing de la part de Saze. Je vais donc lire vos messages sur IRC. As-tu une chaîne sur YouTube ou Dailymotion ? Eh bien oui, j'ai une chaîne sur YouTube ou Dailymotion. Donc c'était la première question, après c'est les questions sérieuses. De toute façon, ce soir, il n'y a pas grand monde, donc je réponds à toutes vos questions, sans exception, et avec toute la patience du monde. Donc, as-tu une chaîne sur YouTube ? Oui, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle MR Tolkien, et que j'avais donc avant de rejoindre AAA, c'est pour ça qu'il n'y a pas AAA dans le tag, mais c'est bien ma chaîne, et vous pouvez trouver toutes mes VOD là-bas, les 45 VOD que j'avais fait avant de passer chez AAA. Voyons voir la question de Aoten, pas de question de Aoten. La question de Alpha Hunter. Qu'aurait dû faire Cass pour sortir de cette mélasse ? Eh bien, Cass aurait dû faire autre chose. Il avait beaucoup de solutions qui s'offraient à lui. Déjà, avoir un Tech Lab qui n'est pas utilisé, qui l'a utilisé juste pour un Reaper, c'est quand même pas mal comme perte. Ça lui a fait perdre beaucoup de temps sur sa baraque, ça lui a fait perdre du temps de construction sur son Starport. On va revenir en fait au push. Quand le push est arrivé, c'était encore après ce timing, quand le push est arrivé, on peut voir là, c'est quasiment 7 minutes, ça va même être 7 minutes quand son adversaire va arriver, vous allez voir, puis ça pousse, voilà, pause, 6 minutes 38, les unités sont arrivées à 6 minutes 38, et Cass n'avait que deux bunkers de marines, et encore, il avait 6 marines et un tank, c'est pas normal de n'avoir que 6 marines et un tank au bout de 6 minutes 38 quand votre adversaire fait 3 gates expand et qui compte vous mettre la pression avec ces 3 gates. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Si Cass avait joué par exemple avec 2 baraques, produit 2 fois plus de marines, il aurait pu s'en sortir. Il aurait eu des bunkers pleins, il aurait eu des marines derrière. S'il avait fait Steam, je pense qu'il aurait pu s'en sortir. S'il avait fait Siege peut-être un peu plus tôt, s'il a vu Siege... Non, ça je pense pas que ça aurait pu arriver. J'allais dire, s'il a eu le temps de rechercher Siege pour les Siege Tanks,
il aurait pu s'en sortir. Je pense que là, le timing est un peu trop serré. Par contre, s'il avait lancé Steam plus tôt et fait deux racks pour faire un peu plus de marine pendant qu'il est en train de teker vers Banshee et ne pas tenter de passer par du tank, et donc enfin là, il est en train de vraiment jouer la défense contre son adversaire, je pense qu'il aurait dû plus faire la défense, jouer la défense, avoir deux bunkers déjà un peu mieux placés, un bunker vraiment sur le bord, un autre bunker un peu plus sur la gauche. Enfin, ce placement est très intéressant de sa part, hein. Mais je pense que là, c'était pas forcément le plus adapté. Deux bunkers plein de marines qui peuvent steamer avec avec même 4 ou 5 marines, je pense qu'il aurait pu avoir, avec 4 ou 5 marines derrière, ça aurait été beaucoup plus efficace. Si en plus il avait pas fait 3 take-lam, mais un seul pour faire les Banshees, et son adversaire n'avait pas de robot, la Banshee aurait pu être très très embêtante. Je pense vraiment qu'Empirecast a eu un souci de timing. Là, il était pas au meilleur de sa forme. Quand il a fait ça, c'était pas optimisé par rapport à ce que lui envoyait son adversaire. Comment se défendre d'un push pareil? Eh bien, ça a été répondu juste avant. Salut. Alors, je ne vais pas lire la question. Alors, une question qui n'a rien à voir et à laquelle je répondrai après le stream. Zaza qui me demande, peux-tu réexpliquer le double cloak, s'il te plaît? C'était une blague, en fait. Le double cloak, ça n'existe pas. Même si vous avez des DT sous un Mothership, ils sont pas double cloqués. Hein. En fait, ils sont cloqués normalement et un Raven, ça permet de les voir. Pourquoi Cass n'est pas parti sur Marauder quand il a scout avec le Reaper? Eh bien, je pense qu'il ne s'attendait... Enfin, il voulait garder son gaz pour ses Banshees. Le Marauder, ça coûte pas des masses de gaz. Si on veut faire aussi Concussive Shells, en tous, on va dire, ça coûte 100 de gaz pour faire deux Marauders avec Concussive Shells. Il voulait pas faire cet investissement, vu que dans sa tête, visiblement, il voulait partir Banshee. Mais effectivement, s'il avait joué sur deux baraques avec Steam ou deux baraques avec du Marauder et Concussive Shell, il aurait très bien pu défendre ce push. Il avait vraiment beaucoup d'options pour défendre ce push, hein. Ce que j'ai proposé naïvement n'est pas forcément la solution la plus optimisée, mais aurait quand même suffi, je pense. Partir sur Marauder a effectivement été une bonne solution. Des Marauders avec Concussive Shell contre cette composition, c'est très violent. Mais visiblement, eh bien, il ne s'attendait pas à une telle violence de la part de son adversaire. Un très beau push, très très bien timé de la part de Saze, a eu vraiment raison directement de ce que faisait Cass. Si, alors, je vais lire. S'il avait wall et double bunker de chaque côté, aurait-il pu s'en sortir? Alors, on va voir le déroulement du combat, mais vous allez voir que le fait d'être wallé ou pas ne compte pas vraiment. Saze est vraiment passé directement, il a avancé sur son adversaire, boum, 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 ça a vraiment pas été là la question. S'il avait roulé complètement, ça aurait peut-être fait perdre un peu de temps à Saze, mais c'était vraiment pas là le gros de la question. Un wall ça aurait été plus serré, mais quoi qu'il arrive, Saze avait quand même une armée bien supérieure à ce qu'avait son adversaire. Il avait quand même mieux joué cette partie, mieux joué cette ouverture, et donc, eh bien, je pense pas que même un wall complet aurait pu sauver Cass, mais ça aurait peut-être pu retarder l'inévitable et lui faire subir un peu moins de pertes. Peut-être qu'il aurait pu se débarrasser, par exemple, de tous les stalkers et n'avoir perdu que, entre guillemets, une avance de 10 CV. Peut-être que ça aurait été une solution, effectivement, mais il aurait dû avoir une position plus défensive pour s'en sortir. C'est sûr, il y a beaucoup de positions plus défensives qui auraient été possibles. Il y aurait été d'avoir plus de marines, il y aurait été d'avoir du Marauder avec Concussive Shell, il y aurait été d'avoir plus de bunkers, mais enfin, les bunkers, d'un côté, il faut qu'ils soient pleins. Donc c'était pas vraiment la raison de la perte de Saze. S'il est mort, c'était surtout par un manque d'unité plutôt qu'un manque de défense, ses bunkers n'étaient pas pleins, et donc je pense qu'il aurait dû partir au moins avec deux baraques dans ce build. Et voilà donc... Alors, une petite question assez générale de la part de Rezaza. Que faire généralement contre du hit and run? Eh bien, dans l'absolu, rien. Si une unité peut faire du hit and run sur vous, sur la vôtre, vous mourrez. Dans l'absolu, il n'y a pas d'unité qui peut faire du hit and run à l'infini sur vos unités. Le système est plutôt bien pensé sur ce plan-là. Par exemple, si un joueur terrain va trop violemment sur du maraudeur en tant que protoss, il est de votre devoir de faire quelques voyeurs de raie ou du colosse pour empêcher son maraudeur de faire du hit and run. Mais la possibilité qu'ont certaines unités de faire du hit and run sur d'autres,
C'est en fait quelque chose qui permet de créer des timings dans StarCraft 2. Le fait que les maraudeurs avec Conclusive Shell puissent faire assez aisément du hit and run contre toutes les unités Gateway et Protoss permet aux Terran d'avoir un avantage de timing vers, on va dire, 7 minutes de jeu s'ils souhaitent le faire. Et donc, logiquement, après, en fait, les Protoss peuvent reprendre l'avantage avec du Colosse, avec du High Templar, avec du Void Ray. Ils ont beaucoup de solutions pour tenter pour faire des choses contre Marauder, mais contre le hit and run à proprement parler, eh bien, ils n'ont pas grand-chose à faire. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, non, je ne vois pas d'autres questions. Je pense... Non, ce sera tout pour ce soir. D'accord. Alors, la petite question de Raiden, on va s'arrêter juste après celle-là, c'est la dernière de la soirée pour ce micro daily. Question, le 3 gate push permet-il vraiment de partir sur autant de choses que tu le dis, c'est-à-dire robot plus genre robot, ou expand, ou robot observateur expand? Oui, partir 3 gate, ça vous permet, vous pouvez le voir là, ça vous permet de partir niveau macro, à moins d'avoir une macro vraiment parfaite et sachant que vous aurez un peu accumulé de l'argent avant que vos 3 gates soient vraiment mis à profit, eh bien même en jouant quand vous jouez sur 3 gates, votre argent va monter et à un moment, vous allez être capable de prendre votre expand si vous le souhaitez. Vous avez du gaz mis de côté pour pouvoir faire une robot. C'est vraiment un build qui vous permet de jouer en réaction sur ce que fait votre adversaire. Si vous faites 3 gates pression et que vous voyez que votre adversaire n'a que des bunkers et des marines par exemple, c'est très conseillé de faire une robot et un observeur au cas où ils partent sur des banshees avec cloak. Mais on va dire, vous avez le temps de le faire. Vous avez le temps, en partant sur 3 gates, après, d'avoir la robot à temps pour contrer des banshees avec cloak. C'est un build qui n'a pas de hard counter de la part du Terran, si ce n'est un proxy de gate dans la base. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien et très standard. Voilà tout donc pour ce soir. Vous n'allez pas voir ma tête parce que bah, c'est peut-être ça qui a causé le problème, hein. On ne sait jamais. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, j'espère que malgré tous ces soucis, cette micro daily vous aura intéressé. Demain à 19h, n'oubliez pas, je vais caster Meteor Makers versus AA, car Pomfétude ne peuvent pas le faire, ils ont eu un empêchement, donc je vais m'en charger à leur place, surtout que le stream a l'air de remarcher, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. J'espère que vous serez là à 19h, il n'y aura pas de daily, de toute façon je ne fais pas de daily le mercredi. Et après, il y aura une nouvelle daily le jeudi, et donc je pense m'orienter le jeudi vers un jeudi newbie, où je ferai des daily qui traiteront de joueurs gold, enfin silver, gold, platine. Et donc je commenterai un peu sur vraiment les fondamentaux du jeu, ce qui est important pour commencer à vraiment bien débuter, à avoir une bonne compréhension du jeu. Et arriver jusqu'en Diamant ou en Master League. Ce sera donc le programme des jeudis. Si ça plaît aux gens, je continuerai. Si au bout de 3 semaines, les gens tous les jeudis me disent que c'est nul, j'arrêterai. Ça dépendra des viewers. Je vais mettre en place des sondages pour créer un peu d'interactivité avec vous d'ailleurs. Et donc, à demain, 19h. N'oubliez pas, ça va complètement déchirer.